Bon, what's up? Aujourd'hui, sans spec, épaule, faire ça bien. Élévation latérale, comme tu connais, toutes les séances, pour bien chauffer les épaules. Surtout pour les pecs, surtout pour eux. Là, jour de repos, je suis mieux, je suis bien. Hier, je suis allé à la salle. Donc normalement, niveau force, je dois avoir ce qu'il faut. On va essayer d'envoyer beaucoup de reps. Et bien congestionné et bien envoyé, c'est important. Là, je suis en jack, je suis tracé, je suis bien. Hier, j'ai fait un cheat en plus. Donc j'ai un tacos incroyable. Normalement, ça doit se ressentir sur le physique et sur la force. Allez. Bon, j'ai déjà mal. J'ai pris les 8 kilos. Il n'y avait pas moins, à part 4. Mais bon, 4 kilos, c'est trop léger. On va continuer. Allez. On va essayer de faire 30 reps. 5, 6, 7. 8, 9, 10, ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, allez, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ok, parfait. Ça fait, on est qu'à l'échauffement, on est bien. Je prends un petit pré-workout. Là, j'en ai un vrai pré-workout. Et puis, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. En fait, le problème, c'est que ici, tu vois, quand tu sors des pré-workout et tout, les gens, ils ont peur. Les gens, ils ont pas l'habitude d'ici. Mais moi, c'est pas grave. J'ai pris le Alpha pré-workout, goût fraise. Je sais pas, il existe plus celui-là. Il n'existe plus, mais les Alpha Pre-Workout sont bons. C'est les mêmes, hein. C'est juste le goût qui change. Donc, on va faire ça bien. Comme j'ai dit la dernière fois, je préfère les shots. Parce que quand je prends la poudre, en général, je respecte pas les doses. Volontairement. C'est-à-dire que, tu vois, je prends une dose remplie. Je sais pas si ça se voit bien, mais je prends une dose remplie et je prends un quart en plus, parce que c'est important. Comme ça, on est bien. Alpha pré-workout, c'est un bon prêt. C'est un très bon prêt. C'est pas le meilleur pour moi. Le meilleur, et je me tue à le dire, le meilleur, c'est ce prêt thermo. Le meilleur pré-workout de chez MyProtein, c'est ce prêt thermo. D'ailleurs, aujourd'hui, on va essayer de parler un peu de MyProtein, des ambassadeurs et tout, là, parce que certains ambassadeurs et anciens ambassadeurs me parlent de la marque et des personnes qui veulent venir dans la marque aussi me parlent de MyProtein. Et je me dis que ce serait bien de faire un petit sens immersion, mais aussi aborder le sujet de MyProtein en général, parce que ça peut être intéressant et ça peut être bien pour les personnes qui me suivent. Parce que je sais que dans les personnes qui me suivent, il y en a qui font des vidéos, ils filment leurs séances, ils montrent leurs séances, et peut-être qu'ils espèrent rentrer chez MyProtein ou chez une marque de compléments alimentaires. Donc pour moi, je pense que je suis légitime d'en parler. Ça fait 3 ans que je suis chez eux, dont 1 an je suis sous contrat chez eux, chez MyProtein. Donc je pense que c'est intéressant d'en parler, histoire de peut-être motiver, histoire de dire ce qu'il faut faire et aussi dénoncer certaines choses, enfin certains influenceurs qui sont ingrats envers la marque ou envers les marques, parce que c'est important, il faut en parler. Vraiment, j'entends des choses. En parler, les gars, c'est important. Et quand je bois, je prends tout d'un coup. Hein. Et là, j'ai mis un peu trop d'eau, mais c'est pas grave. Je bois tout d'un coup, comme ça, je suis bien. Si on a, ils prennent leur pré-workout, ils boivent un peu, ils font leur séance, ils boivent un peu toute la séance. Non, les gars, faut tout boire. Faut que ça agisse correctement, c'est important. Pré-workout, c'est avant l'entraînement. Ok, c'est pas pendant, c'est avant. Moi, j'aime bien m'échauffer un peu. Et après, je le bois. Mais
Sinon, je peux le boire directement avant, hein, mais pré-workout, c'est avant l'entraînement. Je sais qu'il y en a qui prennent 20 minutes avant, 30 minutes avant. Moi, je le prends directement avant parce que ça agit très vite chez moi, avec mon corps. On est tous différents. Il y en a, ça prend un peu plus de temps à agir. Moi, ça agit vraiment tout de suite. Peu importe les marques, ça agit tout de suite. Parfait. Là, j'envoie un peu d'élévation latérale. Après, j'envoie tout de suite des développé couché. On va essayer de monter assez lourd vite. Je vais voir si je peux retenter les 60 kilos par bras. Même si que je me sens pas fort actuellement, on va essayer. Je pense pas que je pourrais faire 10 reps. Mais on va envoyer ce qu'on peut. Parce que c'est important. Ok, parfait. Faire ça bien. Parce que c'est important. J'ai pris les 20 kilos, double contraction. On va s'échauffer tranquillement, comme ça on va essayer de passer de 20 à 34 ou 36 kilos directement. On va pas faire 20, 30, 35, 40, non. Double contraction, ça va me préparer au combat. On fera les choses bien. C'est parti. 8 reps, ce sera suffisant. Une. Quatre, ok. Cinq, ouais. Six, comment? Sept, ouais. Huit, ok, parfait. Parfait, mais je sais pas si je pourrais passer de... Ouais, si 36 kilos, allez directement. 36 kilos, allez. Moi là j'ai fait élévation frontale à la poulie, j'ai fait une série, j'ai mis 7 kilos je crois à la poulie, barre droite, comme ça, et j'ai balancé 15 répétitions, histoire de bien chauffer l'avant des épaules, comme ça, et là, je passe de 20 à 40 kilos directement en haltère, développé couché, toujours. Là on va balancer 8 reps, tranquillement, je sais pas si je vais mettre un contrôle ou pas, tout dépend de mon ressenti avec la première. Et après ça, on passe à 50. Et avec la 50, ça va être la première répétition, enfin la première série, tu vois. Là, on est toujours dans l'échauffement à 40 kilos. Les séries commencent quand les charges lourdes sont là, tu vois, parce que c'est important. Là, la différence des séances en immersion des trois dernières vidéos, c'est que là, j'ai eu un jour de repos, j'ai plus de force, donc je peux me faire mal. Et faire un programme qui ressemble à un vrai programme de musculation qui fait mal, tu vois. Et comme mon temps de repos sera relativement long, on pourra parler de MyProtein, parler des sponsors en général. Et je pense que ça va être une vidéo intéressante. Bon, c'est parti. 40 kilos, première, enfin première. Échauffement toujours. Ouais, comment? C'est rien. 40, c'est rien. Échauffement. On a connu pire. Une. Deux. Trois. Allez. Quatre. Ouais. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Je sens que les 60, ça va être dur. Ah, oh, je le sens. Vraiment. 40, c'était dur, hein. Un peu, 50 et passe, mais les 60, je crois que ça va faire 5 reps comme la dernière fois, à moins que le pré-workout agisse, mais je pense que ça va être 5 reps, je pense. Tu vois, pour intégrer une marque comme MyProtein, il n'y a plus besoin d'être un gros athlète, d'être quelqu'un de suivi, qui a beaucoup d'abonnés, d'être quelqu'un qui est suivi par des millions de personnes et tout, il n'y a plus besoin de ça. Avant, oui. Avant, fallait être un gros sportif, fallait avoir une carte pro peut-être, fallait être un compétiteur, ou fallait exceller dans le sport, tu vois.
Là maintenant, n'importe qui, un petit influenceur, un petit ambassadeur, t'es quelqu'un qui est passionné dans le sport et qui le montre, c'est bon. Tu peux venir chez MyProtein, tu peux avoir n'importe quel sponsor, tu peux aller chez une autre marque, tu vois. Ça a changé. C'est-à-dire que maintenant, tout le monde a ses chances. Que tu as un niveau avancé en musculation, ou que tu as un petit niveau, que tu débutes même, ou que tu es peut-être en surpoids, tu peux avoir un sponsor. Quand tu es en surpoids, il faut que tu montres une volonté que voilà, tu es en surpoids, tu fais du sport, tu changes. La marque peut te faire confiance et t'aider à changer, à améliorer ou à atteindre ton objectif. Parce que tu peux être en surpoids et par exemple, tu fais du powerlifter, tu vois. Enfin, tu fais du powerlifting, pardon. Quand tu fais du power, ben, tu restes en surpoids. Tout dépend de la catégorie que tu vas faire. Après, j'ai surpoids, tout ça. Moi, je suis en surpoids, tu vois. Je suis en surpoids, mais via l'IMC. Mais voilà, la marque peut, elle peut t'aider à atteindre tes objectifs sportifs. Peu importe le corps que tu as, peu importe le physique que tu as, et peu importe la notoriété que tu as sur les réseaux, peu importe ce que tu fais. Ça, c'est important. Moi, je vais lancer ma première série à 50, c'est comme ça. Ça va faire une répétition, une série. Et après, on va discuter, on va parler. Allez. Première série à 50. Moi, je suis désolé hein, si le focus, il prend des gens derrière et tout. C'est pas grave. Le plus important, c'est que tu sais que c'est les 50 et que je fais ma série à 50 kilos. Première. On va en faire 3 ou 4. Allez. 50. C'est rien. C'est rien. Je les soulève. Je les mange. 8 reps. Allez. 1. 2. 3. Allez. 4. 5. 6. 7. Ok. Oh. Première validée. Très bien. Ouais, maintenant qu'est-ce qu'il faut faire pour être sponsor par une marque, faut juste faire du contenu. Juste ça. Juste faire des vidéos. Tu fais des vidéos en salle ou chez toi, peu importe. Tu postes sur les réseaux et tu montres que tu es passionné. Faut juste faire ça. Aussi, être client de la marque, ça aide. Tu vois, moi, avant d'être chez MyProtein, bah, j'étais un consommateur. J'achetais pas tous les mois tout le temps des compléments. J'achetais dans plusieurs marques, plusieurs trucs, plusieurs boutiques de nutrition. Il y avait des prix et des offres à plusieurs endroits, mais MyProtein, parfois je l'ai goûté ce qu'il faisait, parce qu'on va pas se mentir, au niveau des goûts, des offres et tout, il y avait des trucs que tu trouves chez MyProtein que tu trouves pas ailleurs, tu vois, notamment des goûts spéciaux, et je voulais tester des snacks et tout. Je voulais tester, j'ai testé, j'ai fait des vidéos, j'ai donné mon avis. D'ailleurs, je t'invite à regarder mes premières vidéos quand j'étais pas encore ambassadeur de la marque MyProtein. Regarde les vidéos que je faisais, j'étais franc, tu vois. Je disais ça j'aime bien, ça j'aime pas, pourquoi je prends pas ça, pourquoi ça, ça me convient pas, j'étais franc. Et ça, bah la marque, ils aiment, tu vois. Ils veulent pas quelqu'un qui est là, qui dit « Oh, c'est trop bien, c'est trop bon partout ». Ils veulent des gens francs. Et moi, j'ai eu la chance d'être vu par la marque à ce moment-là. Enfin, plutôt d'être vu par Anthony de MyProtein. Parce qu'on va pas, il va pas se mentir, c'est grâce à lui que je suis là. Et puis voilà, il m'a fait confiance, il m'a permis d'avoir ce partenariat-là. Et tout s'est bien passé derrière par la suite. Je fais mes commandes, je fais mes vidéos et tout se passe bien après derrière. Mais comme je l'ai dit, le plus important, c'est de faire son contenu. Tu te filmes avec ton téléphone, avec une caméra, c'est mieux. On va pas se mentir, une caméra, c'est mieux. Comme ça, ta qualité, elle est grosse, elle est élevée. Tu te démarques des autres, mais c'est que beaucoup de personnes ont des caméras maintenant. Donc mets-toi au même niveau que les autres et apporte une petite touche de créativité supplémentaire, tu vois. Tu ne pourras pas innover. Tu dis la vérité, innover dans le sport, je ne dis pas que c'est impossible, mais c'est très, 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 très compliqué. Tu feras comme tout le monde. Moi, je suis comme tout le monde, j'innove rien du tout, tu vois. Les séances longues comme ça a déjà été fait. Les programmes de musculation, ça a déjà été fait. Le fait de faire son contenu, parler avec la caméra en salle, ça a déjà été fait, tu vois. C'est juste ma personnalité, c'est juste... les conseils, c'est juste mon ton de voix et tout qui peut faire en sorte que c'est différent. Mais tu vas rien innover du tout. Ça, faut en être conscient. Tu fais comme tout le monde, mais t'apportes ta petite touche à toi personnelle. T'aimes bien rigoler, t'aimes bien faire le con, bah tu fais le con en plus. Si t'es sérieux plutôt comme moi, bah sois sérieux en plus, tu vois. Sachant que quand t'es sérieux,
tu vas faire moins de vues, moins d'engagement, mais tu vas quand même sensibiliser des personnes qui aiment être comme toi, qui aiment être sérieux, tu vois. Et ça, bah, c'est bien aussi, tu vois. Fais du contenu qui te ressemble. Ça, c'est important. Là, on va essayer de prendre les 60 kilos, là. 60 kilos, on va essayer de faire son max. Si je fais 8 reps, là, je me déshabille, je cours dans la salle, donc je m'en fous. Bon, avant de faire ma rep, je vais prendre le Energy Gel de chez MyProtein, mais le code d'âme, c'est important. Energy Gel, meilleur gel. Quand tu prends un coup de fatigue, un coup de mou, bon, j'ai pas de coup de fatigue, j'ai pas de coup de mou, là, je me sens bien, mais j'ai envie de le prendre. Là, je vais aller sur 60. Je mets toutes les chances de mon côté pour soulever ces 60 kilos. Donc, le petit gel à l'orange, ouais, ça. Orange Flavor. On va prendre ça tranquillement. Et si tu veux un complément, tu mets le code DAM sur MyProtein. Ça, t'es bien. Et en plus de ça, si t'es sur Insta, tu peux me partager, tu vois. Tu mets le code DAM, ça achète tes trucs. T'habilles en MyProtein. Tu me partages ton roman story et je m'en tape, tu vois. MyProtein, il regarde toutes mes stories, il regarde ce que je fais, tu vois. Donc, ils vont pouvoir te voir, peut-être, et tu continues dans tous les cas. Si je peux être une passerelle vers les nouveaux influenceurs, je serai une passerelle, ok. Mets le code DAMS, passe MyProtein, fais-toi bien, fais-toi plaisir. Enfin, je vais dire, mets-toi plaisir. Et moi, je prends ça, là, tranquillement. Des choses comme ça, c'est incroyable. Tu prends, tu ouvres, tu bois, c'est terminé. Les poudres, tu n'aimes pas trop parce que tu prends, tu mets de l'eau, tu mets ton shaker, tu secoues, ça prend du temps. Ça, tu prends, tu bois, c'est fini, tu jettes. J'ai beaucoup parlé aujourd'hui, je pense. Donc, même si vous êtes genre 2 heures, c'est pas grave. Je mettrai les 2 heures. Pas un souci, ça. 60 kilos. 60. Petit rappel. Je n'ai pas de bande pour les poignets. J'ai rien. Je suis pas chargé. Je suis maquis. Et puis voilà, c'est important. Parce que je la sens bien là. Enfin, je pense honnêtement, 4 reps sûrs. 4 reps sûrs. Au niveau de la 5e, ça va commencer à faire mal. Je pense. Je pense. Allez. Et j'ai pas de musique. Ça, c'est important, ça. Aucun casque, rien. Alter, plus lourd de la salle. Allez. Énerve-toi. Comment? Hey. Allez. 2. 3. 5, je savais. Oh. Ah, je le savais. 5. Comme la dernière fois. Oh. Oh. Dire que, tu vois, quand j'étais sous créatine, 2-3 semaines de créatine, là, je faisais des séries de 8, bon incliné, tu vois. 8-10. Mais là, c'est mort. J'ai l'impression que mon corps, il a encore des progrès à faire avec les 60, où j'ai l'impression que c'est ma limite, enfin, je sais pas. Mais je le sens quand je suis sous créatine mais pas sous créatine. Au niveau de la force, ça se sent de fou. Mais je suis quand même content, je les ai faites. Là, je fais la dernière avec 50 kilos, donc on est 50. Comme ça, on est bien. Mais j'aime bien me challenger un peu au niveau force, parce que c'est important. En vrai, les 60 kilos, c'est un délire. C'est juste un délire. Si je voulais vraiment les maîtriser correctement, j'aurais pris les 54, 56, parce que ici, c'est bien ici. Il y a des 52, 54, 56 jusqu'à 60. Et ça, c'est bien. Tu peux travailler intelligemment pour maîtriser les 60. Mais moi, je passe de 50 à 60 directement. De 1, pour pas trop me fatiguer. Et de 2, les 60, j'ai déjà soulevé. Donc, j'ai déjà l'appréhension psychologique de 60 kilos. Oh, j'ai besoin de personne derrière moi. Donc, je connais. Et juste, autre raison pourquoi je ne fais pas ce programme maîtrise des 60 kilos, c'est parce que je suis là juste pour un mois. Là, il me reste 2 semaines ici à Fitness Park. Après, je prends la Basic Fit. Basic Fit, c'est des 50 kilos non calibrés qu'il y a, tu vois.
Ça veut dire c'est des 46 kilos que je soulève, je crois, peut-être. Donc, comme je ne vais pas tout le temps m'entraîner là, et j'ai un abonnement temporaire, ça ne sert à rien. Et j'ai pas assez de temps, il faut environ 2 mois, 3 mois pour bien maîtriser les 60, sans créatine, sans rien, adapter mon corps à cette charge. Et puis voilà, mais là, je vois pas l'intérêt, pas assez de temps. Mais si jamais je reprends un abonnement plus long ici, de 3 mois, 4 mois, ce que je compte faire, tout dépend les vues de ces vidéos immersion et tout. Peut-être que je reprendrai un abonnement ici, parce que filmer ici, franchement, c'est agréable, c'est beau, c'est bien. La salle, elle est belle et il y a de quoi faire. Franchement, il y a de quoi faire. Oh, là, je me repose un peu parce que ce centre, franchement, ils font mal. Dernière à 50. Et après, on va incliner le banc tranquillement et travailler intelligemment. Au niveau de mes protéines, il faut que je parle de certains ambassadeurs qui sont partis de la marque et certains qui veulent partir. Et ces personnes-là ont tous le même ressenti, le même avis, la même chose à dire. Et on va en parler, tu vois. Il y a des ambassadeurs qui disent que MyProtein, c'est plus comme avant. C'est plus comme avant dans le sens où il y a beaucoup trop de personnes. Il y a beaucoup trop d'ambassadeurs. Il y a trop de personnes qui sont mises en avant. Et c'est plus un luxe d'être chez MyProtein. Ça, c'est l'avis que j'entends partout. De ceux qui sont partis et de ceux qui ont envie de partir. Tu vois? Je suis d'accord et je suis pas d'accord. Parce que moi, pour ma part, MyProtein, ils ont fait un effort de fou. Dans le sens où, avant, c'était que des grosses têtes qui étaient chez eux. Maintenant, ils ont permis à que n'importe qui peut rentrer chez eux. Et ça, c'est plus intelligent parce que ils ont... Parce qu'en fait, eux, leur but, enfin, je pense, c'est de montrer que la muscu, les compléments alimentaires, c'est accessible à tout le monde, c'est pas qu'aux professionnels. Et le fait de mettre des ambassadeurs de tout niveau chez eux fait en sorte que, eh ben, n'importe qui peut se reconnaître ou s'identifier à un ambassadeur. Si t'es chargé, tu vas t'identifier aux ambassadeurs chargés et tout. Si t'es naturel, tu vas t'identifier aux ambassadeurs naturels. Si t'es un peu sec et tout, ben, il y a un ambassadeur, ce sera ton image. Si t'es un peu fat et tout, il y a un ambassadeur, ce sera ton image. Ou si t'aimes la personnalité d'un ambassadeur, et ben ça sera ton image, tu vois. Ils ont permis de faire les choses en grand et de mettre tout le monde ensemble. Ça, c'est bien. Et les gens sont beaucoup dans ce système d'égoïsme, dans le sens où je suis un influenceur, je suis connu, donc je vends un sponsor rare ou un sponsor dur à avoir. Je vais être dans une marque où très peu de gens peuvent atteindre cette marque. Or que la plupart de ces gens-là, physiquement, si MyProtein se basait sur les critères d'avant, ils ne seraient même pas ici. Même moi, hein. Si MyProtein se basait sur les critères d'avant, je ne serais même pas chez eux. Concrètement, peut-être avec la qualité des contenus que je produis, mais pas en tant qu'athlète. C'est mort. Mon physique, il n'est pas assez développé. Mes réseaux sociaux ne sont pas assez développés. Je ne serais pas, je serais clairement pas dedans, tu vois. Donc, moi, je suis pas d'accord avec ces gens-là. Je suis peut-être d'accord dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes chez MyProtein, mais moi, ça me dérange pas. Je suis content. Ça fait une grande communauté. Ça aussi, ça me permet de, si par exemple, je vais faire un feat MyProtein avec une personne, ben, je vais trouver quelqu'un facilement, rapidement, qui va pas faire la star. Et ça, c'est bien parce que je connais des gros influenceurs chez MyProtein. Si je leur envoie un message, ils vont faire les stars. Ils vont faire les oui, non, moi, c'est, tu vois, non. Moi, j'ai quelqu'un de simple. Et le fait d'avoir beaucoup de personnes, fait que voilà, tu as beaucoup de personnes simples, tu peux démarcher n'importe qui et faire une vidéo avec n'importe qui et avancer ensemble avec la marque. Ça, c'est important. Allez, 50 kills. Dernière. Faire ça bien. 50, c'est rien, les gars. C'est rien. Pour moi, c'est rien. Normalement, après avoir fait 60, ça, c'est rien, ça. C'est de la rigolade. Allez, une. Non, c'est pas une. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Sept. Huit. Oh. Ok, parfait. On va poser ça. Incliner le banc tranquillement. Et bosser en développement incliné avec charge moyenne. Moi, personnellement, je trouve ça égoïste. Les personnes qui pensent comme ça avec MyProtein, qui se disent, vas-y,
C'est un sponsor, il me donne des compléments alimentaires gratuits. Chaque mois, des vêtements gratuits, chaque mois. Ils me payent pour la plupart, hein, parce que voilà, il y en a, ils sont sous contrat où ils sont payés, d'autres non. Comme toutes les marques, c'est normal. Il y en a, ils sont sous contrat, ils ont un bon salaire ou un bon petit complément de revenu ou un bon contrat. Moi, j'estime que quand une marque te donne des compléments en plus de l'argent, quelle qu'en soit la somme, même si c'est 50 balles en plus sur ton compte, c'est bien, tu vois, c'est très très bien, c'est un bon contrat, tu vois. Il y en a, non, ils sont pas contents. Il y en a, ils veulent plus d'argent. Il y en a, ils veulent plus de proximité avec la marque. Il y en a, ils veulent être mis en avant à chaque fois avec la marque. C'est bon, gros. C'est bon. La marque, elle te met bien, elle fait un effort en toi. Pour la plupart, vous avez même pas de physique. Clairement, vous exigez des choses avec les marques. Arrêtez, les gars. Arrêtez. Soyez content, soyez reconnaissant. En fait, moi, c'est ce que je dis à chaque fois, soyez reconnaissant. Tu vois, moi, je te parle sérieux. Hein. Je sais que, ben, moi, j'ai pas le droit de mentionner des marques avec mon contrat. Mais tu vois, Eric Favre, ils m'ont proposé deux fois, voire trois fois plus, on va dire deux fois et demi, mon contrat avec MyProtein. Ils m'ont dit clairement, écoute, Dams, on aime bien tes vidéos, on aime bien comment tu parles, on aime bien comment tu présentes les choses. On sait que tu es chez MyProtein. C'est quoi ton contrat? Nous, on te paye tant. J'aurais dit non. Clairement. Je leur ai dit non. J'ai pas envie. MyProtein, je leur fais confiance. Ils m'ont fait confiance dès le début. C'est mort, les gars. C'est mort. Je peux pas partir comme ça. Après, bon, si on me donne 35K par mois, voilà, avec une autre marque, là, je suis désolé. Mais je m'en fous. Pour deux fois, trois fois plus, je préfère rester là où je suis. Préfère, tu vois, sachant que au vu de mes followers, des personnes qui me suivent, je trouve ça mieux, parce que admettons, regarde, une fille, tu commandes chez MyProtein avec le code d'âme à chaque fois, du jour au lendemain le code d'âme ça marche plus, tu vois, ou du jour au lendemain je te dis finalement je suis chez notre marque, finalement je suis chez eux, finalement je... non, tu vois, non, il y en a tous les 3 mois ils changent de marque, de complément. Moi je peux pas faire ça, c'est mort, je suis obligé de rester, enfin, de mes valeurs et de mes convictions, de mes valeurs et de mes convictions, pardon, je me sens obligé de rester avec une seule marque. Obligé. Je peux pas bosser chez MyProtein, chez notre marque en même temps, avoir 3 codes promo de compléments alimentaires. Je peux pas. J'ai une seule marque. Je peux pas être chez eux aujourd'hui, demain je suis chez eux, après je suis. Non, les gars, non. Je suis chez MP, j'ai mon contrat, je suis bien, je leur fais du contenu, ils me partagent quand ils ont envie. Tout se passe bien, fin, tu vois, fin, sois content, sois heureux. Développement incliné, j'ai pris les 32 kilos, je me suis incliné à 15 degrés, parce que le problème, en fait, j'ai vu beaucoup de vidéos hein, pour le haut des pecs, apparemment, il faut incliner à 30. Quand j'incline à 30, je sens pas du tout mes pecs, j'en plus mes épaules que mes pecs. Du coup, moi, j'incline à 15 degrés, comme ça, je suis bien. J'ai fait tous les mouvements, tous les angles, tout à 30 degrés, c'est pas possible, je sens que mes épaules. Donc 15, on va travailler sous tension, on va faire des mouvements relativement lents pour bien ressentir le haut des pecs, ou du moins essayer de ressentir le haut des pecs, parce que chez moi c'est très très dur, morphologiquement parlant c'est très très dur de sentir le haut des pecs, mais on va faire les choses bien, on va balancer 8 reps, 4 fois et puis voilà, c'est parti. Allez, 32, c'est léger, mais l'exercice qu'on fait, il est dur. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ah, c'est une torture. 7, 8, 9. Franchement, bosser comme ça, c'est une torture. Ah, c'est une torture, ça fait mal. Mais c'est ça qui est bon. C'est ça qui est bon. Tu vois, je
j'en plus mes pecs. En travaillant comme ça, puis en mettant 40, 50 kilos, et en faisant mes séries bêtement comme ça, tu vois. Pour moi, il faut mélanger les programmes en musculation et tes amplitudes, tu vois. On a commencé par du lourd pour bien se tabasser, pas de tempo, rien, avec 50, 60 kilos. Là, on met du contrôle. On met du contrôle, on casse un peu plus le nerveux, on détruit un peu plus de fibres musculaires et on est bien, tu vois. Moi, j'aime bien bosser comme ça. Petit temps de repos. Comme j'ai dit, temps de repos, je compte pas mon temps de repos, tu vois. Je marche un peu dans la salle où je te parle et quand je sens que je peux repartir, eh ben, je repars. Sauf que là, je te parle et je marche. Parce que le truc, c'est que là, on n'est pas dans les programmes maison. C'est des vraies charges, c'est des grosses charges. Donc, si je te parle que et j'envoie, je n'aurai pas le temps de me reposer. Parce que là, je suis essoufflé, tu vois, je pense que ça s'entend. L'effet de te parler fait que je récupère pas. Malheureusement. Bon, allez, deuxième série. Faire ça bien. J'ai bien parlé, là, avec des frérots. Je peux envoyer, allez. Une. Deux. Trois. Quatre. Le pire, c'est que je vais augmenter les charges. C'est mort. Cinq. Allez. Six. Ouais. 7, ouais, 8, ok, par contre, je vais faire ma série en ouvrant les yeux, mais c'est impossible, parce que tu vois, au-dessus de moi, j'ai une barre LED tellement forte que ça m'éblouit, donc je suis obligé de fermer les yeux, vraiment, il m'en manque 2, on va essayer de passer à, j'ai 32 kilos, on va essayer quand même de mettre les 36 pour voir. On va se tuer, mais c'est ça qui est bon. En tout cas, ouais, je pense avoir tout dit sur MyProtein et le sujet que je voulais dire. Je pense avoir tout dit. Mais le code d'âme, c'est important. Et là, je le redis, là, parce que je le dis pas assez. Mais le code d'âme, ok? Tu as sur MyProtein, tu as sur mon lien en bio, tu prends un truc. Code d'âme, tu prends ce que tu as besoin de prendre, ok? Prends pas des trucs inutiles. Prends ce que tu as besoin de prendre, tu mets le code d'âme, c'était bien. Tu me donnes de la force, tu te donnes aussi de la force, tu aides à atteindre tes objectifs, et puis voilà. Sachant que moi, j'ai toujours été vrai, j'estime avoir toujours été vrai dans les compléments que je prenais, et je te propose vraiment les compléments utiles, même si que moi ça m'apporte rien, dans le sens où tu vois la créatine, le codam ça marche pas dessus, mais c'est le meilleur complément du monde, clairement. Le meilleur complément du monde qui, où t'as vraiment un réel changement. Un avant-après créatine, c'est une dinguerie, tu vois. Le code d'âme, ça ne marche pas dessus. Mais si tu veux prendre de la créatine, prends de la créatine. Mais le code d'âme, quand même. Ça va mettre, bon, le code d'âme, s'il marche pas avec la créatine, mais mets-le quand même, tu vois. Parce qu'en soi, peut-être qu'à côté, tu vas prendre une petite BCA ou EA pour compléter tes séances. Pour tenir plus longtemps de tes séances. Ça, c'est bien, ça marche dessus, tu vois. Ou une Clearway pour compléter ton alimentation. Donc, la Clearway, parfois ça marche, parfois ça marche pas. Mais ça aussi, il faut prendre, tu vois. Moi, je suis pas gagnant quand je fais ça parce que je te montre que des compléments, le code, il marche pas dessus. Mais c'est ce que je prends, malheureusement. C'est ce que je prends. Parfois, il y a un impact, ouais, si tu manges pas assez. Ça peut être bien, tu vois. Mais tout dépend de toi, en vrai. Tout dépend de toi, clairement. Là, il m'en reste 2, je crois. J'ai pris 36 kilos. On va faire ça bien. C'est parti. La même chose avec 36 kilos cette fois-ci. Là, je vais le sentir. Vraiment le sentir pour de vrai. Pour me faire mal. Allez. Une. 2, 3, 4, putain, 5,
6, 7, 8, 9. Ça fait mal. Ça fait mal. C'est incroyable. J'ai vraiment mal pour de vrai. Peut-être que je vais retirer mon haut là, j'ai un débardeur en dessous. Un débardeur que j'aime pas, hein. Mais j'ai un débardeur en dessous. Je suis KO, je suis mort. Vraiment. Le pré-workout, il agit encore un tout petit peu. Mais tu vois, comme je parle, je prends mon temps. Je fais des séances un peu plus contrôlées, plus intelligente. J'ai l'impression qu'il ne fait pas effet comme il doit faire effet, tu vois. Même si que je sais qu'il fait effet, je sais. Et la redescente, je la sentir clairement. Mon physique, bonne congestion. Sachant que dans le Alpha Pre-Workout, où tu peux utiliser le code DOM sur MyProtein, il y a ce qu'il faut dedans pour avoir une bonne congestion. Franchement, ça fait longtemps. J'ai pas pris un bon pré-workout qui donne une bonne congestion. Parce que tous ceux que je prends, comme je vous dis, hein, en shot, en gel, ils sont bien. Clairement, ils te réveillent. Mais il n'y a pas ce qu'il faut dedans. En fait, j'ai l'impression que c'est que de la caféine que tu prends, tu vois. La bêta-alanine, la citrulline, l'arginine et tout, tu le sens pas. Or que dans le Alpha Pre-Workout ou dans le Secret Thermo, qui est pour moi le meilleur de tous les pré-workouts de chez MyProtein, tu te sens bien, franchement, tu te sens bien, tu as une bonne congestion et ça fait du bien et c'est plaisant à voir devant le miroir ou alors sur mon retour de la caméra. On va repartir pour la dernière et après je pense qu'on va envoyer de la prise neutre en lourd. Ouais, j'aime bien faire exo lourd, exo charge moyenne, exo lourd derrière, ah ouais, pour relancer la machine, parce que c'est important. Sachant que j'essaie de m'avoir tout dit sur MyProtein, donc là on va revenir sur la partie entraînement pur et dur. C'est parti. Dernière, 36 kg. 8 reps. Faire ça bien. Allez. C'est rien. C'est rien. C'est rien. Une. Deux. Trois. Quatre. Ouais. Cinq. Six. Allez. Sept. 8. Oh. Franchement, contrôler sa charge, c'est frustrant. Ah, c'est frustrant de fou. C'est frustrant, ça fait mal. Tu sens que tu as de la force, tu as envie de mettre de l'impulsion pour que ce soit plus facile, mais tu te retiens. Ça fait mal. On va faire un peu les épaules. Avant d'aller sur le neutre, on va faire de l'élévation latéral en unilatéral. Ça va être cool. J'ai pris 14 kg, il est 8. 14 kg unilatéral, tranquillement. Et 8 kg, les deux. On va faire 10, 10, 20 répétitions. 10 avec les 14 et 20 répétitions avec les 8. On va essayer d'avoir un bon mouvement, bien droit. Contrôler, ça va être dur. Mais on va se faire mal de la meilleure des façons. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, comment, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 20. 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, allez, c'est rien, 10, 11, 12, ça fait mal, 13, 14, 15, allez, 16, 17, 18, 19, 20. Contraction comme à l'ancienne. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Franchement, ça fait mal. Ah, ça fait mal. Mais c'est ça qui est bon. Il faut s'entraîner intelligemment. On a mis du lourd, on a mis bien là, c'est charge beaucoup plus contrôlée. Tu sais, au début, je devais juste le pec. Mais je me suis dit, pourquoi pas faire pec épaule? Pourquoi pas? Même si que mes épaules bouffent un peu mes pecs, normalement, je dois moins les faire. Et faire beaucoup plus les pecs. Mais vas-y, j'aime bien pec épaule, comme ça on est bien. Oh. On se repose et on repart tranquillement. Bon, deuxième, c'est parti. Comment? Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, l'autre côté. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, comment, huit, ouais, neuf, last, dix, très bien, et deux, une, deux, trois, quatre, allez, cinq, six, sept, huit, 9, 10, allez, encore 10, encore 10, 1, 2, 3, 4, allez, comment, 5, c'est rien, 6, 7, allez, 8, 9, 10, ok, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Waouh. Ah, ça tue. Ça tue. Ça tue. Il me manque deux, ça tue. J'essaie de mettre plus lourd pour les parties en unilatéral. Je suis à 14 kilos. J'ai gardé les 8. Mais j'essaie d'aller à 16 ou 18 kilos. Je vais voir ça, ça peut être intéressant. 18 kilos, franchement c'est lourd, j'ai pas trouvé les 16. Je vais prendre les 16 de base, hein, mais 18. On va essayer, on va voir ce que ça donne. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, c'est lourd. C'est lourd. C'est lourd, c'est lourd. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Franchement, heureusement que je mets une main en bas du banc. Sinon, je m'envole avec le poids. 20 reps. 1, 2, 3, 4, 5. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ok. Neuf, huit, sept, six,
5, 4, 3, 2, 1. Ok, parfait. Juste, c'est le frérot. J'arrive. Je kiffe partager mes conseils, mes exos à d'autres personnes. C'est un plaisir de fou. Ouais. Allez, dernière, fais ça bien. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok, très bien. Une, deux, trois, quatre. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 20 reps. 20 reps. Allez, fais ça bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Parfait. Oh. Je ne sais pas si j'aurai cette force pour faire du neutre en lourd. On va essayer. Hein. C'est de faire 3 séries neutres lourds. Prendre les 40, 44. On va voir. Premier, on va essayer à 40. Et après, on va voir. Je vais prendre une petite barre protéinée. Là, je prends un petit encore. J'ai pris ça là. Break bar, très bon encas. Le Kit Kat de MyProtein. Je vais le manger. Changer ma batterie parce que là, je suis à 6%. Et comme j'ai dit, hein, prendre les 40 kilos et faire du neutre tranquillement. C'est un bon plan. C'est incroyable. Trop bon. Et ce qui est bien, c'est que c'est coupé en 4, tu vois. C'est-à-dire qu'il y en a deux, j'en ai deux en bas. Je mangeais juste deux pour l'instant. Et le reste, je mangeais après. 40 kilos. J'ai dépassé le banc pour que tu vois bien le mouvement. Parce que c'est différent la prise neutre que la prise que je fais de base pour les pecs. Normalement, on verra bien le mouvement. 40 kilos, quand je les ai pris, franchement, ça me paraissait lourd. Donc s'il y a un fail, c'est pas grave, on prendra 36 kilos ou 34. On verra. Mais le but, c'est de faire 8 reps sans tempo, sans rien. Bon, ça peut passer. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ok, on va monter. Ça va, on fait 3 séries, on va monter, c'est léger en fait. Je suis près de 50, normalement ça va passer, vu comment les 40 ils sont passés, normalement les 50 ça passe. 10 kilos de plus c'est rien, on va les passer, allez. Ok. 8, sans tempo, sans rien. Ça va être lourd, mais. Oh, on est là pour ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
Ok. 8. La première, normalement, je la compte pas tout le temps. Mais là, comme c'est dur, je l'ai compté. Tu vois, quand tu prends, tu donnes impulsion avec tes genoux et tu montes, parfois je la compte pas. Là, j'étais obligé de la compter. Là. Ça fait mal. Il me manque une. La dernière va être très très difficile. Mais je vais bien me reposer et je vais la balancer. Et après, dernier exercice épaule, je pense. Et c'est bon. C'est bon. Je fais du contenu vertical après pour les réseaux sociaux. Mais la vraie séance, elle va se finir là. Après cet exo-là. Bon. On va se reposer là. Dernière. Franchement, ça va être dur. Ça va être super dur. Je te cache pas. Ça va être dur. Si je vais pas à 8 reps, c'est pas grave. En vrai, c'est pas grave. Ça va être dur. Vraiment. Faire ce qu'on peut. Ok. Allez. Fais ce que tu peux. Fais ce que tu peux, mais fais-le. Fais ce que tu peux, mais fais-le. Une. Deux. Trois. Quatre. Cinq. Six. Je savais qu'il lui aurait pas passé. Mais au moins, c'est bien. C'est bien, c'est bien. On est à 50, on est lourd, on est en fin de séance. On porte toujours aussi lourd en fin de séance. C'est bien. On va bosser en développé militaire cette fois-ci. Par contre, je sais pas si je prends la barre ou les haltères. Je vais voir ça. Là, je fais un escalier. J'ai pris les 14 kilos. Je pense pas que je pourrais tenir l'escalier jusqu'à la fin. Je pense que je vais souvent mettre les poids sur mes genoux. Mais on va essayer de faire les choses bien. Comme ça, ça va être un bon exercice destructeur pour la fin et j'aurai une bonne congestion. Ça me fera du bien. Allez, c'est parti. On y va. Une. Une, deux. Là, je bloque vers le bas. Une, deux. Une, deux. Une, deux, trois. Une, deux. Une, deux, trois, quatre. Une, deux. Une, deux, trois, quatre, cinq. Une, deux. Une, deux, trois, 4, 5, 6, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 1, 2. Petite pause. Obligé. Obligé. Là, on a 8, 9, 10. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 1, 2. Il manque 2. 9 et 10. Allez. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2. Il en manque une. Sans les deux secondes. Une seule. Dernière. Last. Après, c'est fini. Allez. Une, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix. Ok. Parfait. Programme PEC. Fini. Pec épaule.
J'espère que tu as pu aimer cette séance programme. Tu peux noter ce que j'ai fait, le refaire aussi, me dire ce que tu en penses. Et puis voilà. Mon objectif, c'est de te faire plein de séances immersion. Quand je retourne en Basic Fit, faire des fits avec des bros à moi. Et puis voilà. En tout cas, mets un j'aime, un commentaire. Si t'aimes bien ces contenus, je vais en faire plein. Abonne-toi, je ne sais pas fait. Et moi, je te dis, porte-toi bien et à la prochaine pour la suite.